Doucement, doucement. Camion maintenant. Merci. Vas-y, 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 t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. C'est parti. Monsieur, nous sommes à Jouy-en-Josas, c'est 2h du matin, vous venez d'où? De Stain. De Stain, vous êtes parti à quelle heure de Stain? 3h de l'après-midi. 3h de l'après-midi, ça fait presque pas loin de 10h ça? Bah, ça fait 9h pour l'instant, mais pour, au moins 10h quand j'arriverai. Et vous êtes près du but? En kilomètres, je fais à quoi? 7 km là-dessus. Est-ce que vous avez reçu de l'aide sur la route, des services de l'équipement, des pompiers, des policiers, non? Vous n'avez rien vu depuis Stain? Non, aucun. Les seules choses que j'ai vues, c'est deux chars de la gendarmerie qui étaient dans l'autre sens, dans le sens opposé au mien, mais pas d'aide du tout. Bon, vous espérez arriver dans la nuit, avant demain matin, sain et sauf avant demain matin? Si c'est demain matin, ça sera demain matin, mais de toute façon, sain et sauf. Vous le prenez avec philosophie, c'est bien. Oui, il vaut mieux. Il vaut mieux doucement et sûr que vite et en miettes. Monsieur, vous êtes coincé depuis combien de temps? Alors, je suis parti de la Défense à 15h, donc il doit être 1h, 2h du matin. Donc, vous faites le calcul, hein, ça fait assez longtemps. Nous sommes à Jouy-en-Josas. À Jouy-en-Josas, où on essaye de passer dans de difficultés assez importantes. Une remarque, 3h bloqué à Vélizy, sur la 118, sans aucune information, sans aucune distribution de nourriture ou d'autres choses. Vous n'avez pas vu moyen de secours, pas de DDE, rien. Un policier qui traînait du centre commercial, certainement, qui est venu un peu voir ce qui se passait, mais aucune aide, aucune information, rien du tout. Beaucoup de, vous avez croisé des chasse-neige, des saleuses sur la route depuis votre départ de la Défense? Alors, une saleuse et un camion de pompiers. Voilà, ce qui fait pas lourd après... Bah, disons que après une journée de travail et 8 ou 9 heures de route, c'est un peu difficile. Heureusement, il y a beaucoup d'entraide, les gens poussent les voitures, les font monter, on essaye de s'en sortir comme ça. Vous espérez rejoindre votre domicile dans combien de temps? 4h du matin. Pour repartir tôt, je suppose, travailler après? Peut-être un peu moins tôt que d'habitude. Vous êtes parti d'où et depuis quelle heure? De Viroflay, il était 3h moins le quart. Et là, il est quelle heure? Il est 2h20 du matin. Donc vous avez fait quoi, 20 km? À peine. Et vous allez vous rejoindre quelle commune? Vétigny-sur-Orge. Et vous espérez y être à quelle heure? J'aimerais bien pour 3h du matin. J'aimerais bien. Et pour repartir un petit peu plus tôt demain matin travailler? Non, je crois pas. Je crois que j'ai un peu grâce mat. Est-ce que vous avez eu de l'aide sur la route des services de l'État, pompiers, DDE, policiers, gendarmerie? Est-ce que vous avez... Personne. Vu, rien du tout? Rien du tout, personne. Donc tous les automobilistes se sont débrouillés seuls pour s'en sortir? Là un petit peu, enfin nous, enfin beaucoup d'entraide avec les autres automobilistes, mais j'ai vu personne d'autre pour nous aider. Voilà, donc là on est sur Jouy-en-Josas. Tout à fait. Que la côte a passé. Exact. Donc j'espère que ça a bien roulé après, qu'on va pouvoir rentrer chez nous assez rapidement. Thank you.
Allez, 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 allez. C'est la fatigue.